caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Les salutations les plus distinguées à tous mes abonnés et internautes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Guinée Herbeuse qui se passe sur GKMS TV. Et merci à tous nos internautes. Aujourd'hui, nous sommes avec un grand de youth, un navigateur. Nous allons parler de son parcours et nous allons tester sur assez de ses sons. Comme vous le savez, il est plein de surprises. Bonjour, navigateur. Ouais, ça va. Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va. Bien, merci. Et nous sommes très contents, heureux d'être à vos côtés ce matin. Vous êtes face à vos fans aujourd'hui. Tout le monde entend navigateur, navigateur. Alors, vos fans ont l'occasion aujourd'hui, ils ont la chance de découvrir ça avec nous dans Guinée Herbeuse. Quel est votre nom de famille et votre prénom en fait? Bon, mon prénom c'est Abraham, Abraham Makolé. Ça c'est mon nom de famille. Mon fans là, quelles sont vos salutations envers vos fans là? Je dis un big up maximum à tous mes fanatiques et spécial dédicace à tous les gars qui m'ont aimé, sans oublier ceux qui m'ont détesté aussi, big up maximum, nous sommes ensemble. Vous êtes revenu avec force, on le sait, et vos fans sont contents de vous. Ça c'est dû réellement à votre changement de label ou quoi? C'est pas un changement de label. Oui. Déjà, moi, je vivais et puis j'avais pas de contrat avec quelqu'un. Et moi, il n'y avait pas de contrat qui me liait avec quelqu'un. Mm-hmm. Ben, c'est maintenant là, déjà une espèce, il y a un contrat qui me lie maintenant avec le PDG Souma et moi, tu vois. Donc, nous sommes ensemble et dans ce contrat, c'est-à-dire, c'est une structure. Dans la structure, il faut respecter les règles et les principes pour pouvoir vivre dans la structure. Donc, tu vois, c'est comme ça se passe. Tu vois. Toujours dans Guinée Herbeuse, big up à vous, chers internautes. Alors, on continue toujours avec Navigator, l'homme qui déchire avec ce son et sa voix d'or. Voilà, big up à vous. Et vous avez beaucoup de surnoms. Et à part Navigator, il y a les youths qui vous appellent, par exemple, Mega Combo, Robot Macador. Est-ce que, au moins, principalement, vous pouvez nous expliquer ces deux pièces de nom? Ok, Mega Combo, on dit que les artistes sont infidèles. Oui, ouais. Ben, je peux pas me dire que je suis fidèle parce que. Je suis pas comme ça, tu vois, non. Et je peux pas aussi me dire que ouais, je suis propre, tu vois, non. Et lui n'est pas fait, tu vois, non. Donc la raison pour laquelle j'ai dit Mega Combo, l'homme qui a plein de goût et beaucoup de bobos respectés dans tous les ghettos, c'est-à-dire j'ai plein de meufs et plein de femmes qui m'aiment. Ce sont pas mes copines, mais ce sont des femmes qui m'aiment aussi. Maintenant le robot Macador, c'est que le robot Macador, un robot Macador, pendant que toi tu dors, moi je suis au bord, tu vois, non. Et là-bas, quand j'étais avec les instincts, les fiches qu'il a, les sacos, donc là-bas, et comme les gars, ils voyaient que je bossais à chaque fois, donc ils m'ont surnommé directement Robo Macador. C'est en ce moment que le nom a pris de l'ampleur. Ouais. Oui, ça s'est... Voilà, justement, en parlant de ces différents artistes, il y a un son qui a cartonné beaucoup dans les banlieues, par là et un peu partout, dans les quartiers de Bonfim, Bessia. Le titre s'intitule Dépassé. Ouais, Dépassé. Voilà, Dépassé. C'est-à-dire, maman est un toaster, chanteur, rappeur, faire place maintenant au leader, tu vois, non. Donc, quand tu es dépassé, c'est pas un injure, c'est pas des foutaises, c'est pas de clash, tu vois, non. C'est-à-dire, quand tu es dépassé, c'est-à-dire, tu peux couler, maintenant tu cèdes la place, faire place maintenant à une autre personne qui doit cartonner, c'est comme ça. Voilà, exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier single qui cartonne aujourd'hui, Ninja Man? Ouais, voilà, Man, c'est un tube qui déchire actuellement. Ninja Man, c'est la vie des youths, tu vois, non. Et actuellement, de nos jours, il y a plein de personnes chez qui les conditions de vie sont aisées et favorables, et d'autres aussi souffrent, tu vois, non. Et l'État ne fait pas face à tout le monde, tu vois, l'État ne peut pas sauver tout le monde aussi, tu vois, non. Donc, nous, les artistes aussi, nous sommes là pour commenter, hein, pour dire aux gens, ouais, Tanambé, c'est toi le boss, bon, c'est toi, il va me donner des millions. Non, je suis pas là pour coucher avec le diable et puis lécher sa queue. Tu vois, non, je suis pas là pour faire le lèche-cul, ou bien le lèche-botte à quelqu'un. Exactement. Tu vois, non, je suis fier de moi. Si tu le fais pour moi, tu le fais. Que Dieu te paye.
n'est-ce pas? C'est ça la vérité. Si je ne suis pas reconnaissant, que Dieu me paye. Ouais. Tu vois, non, ouais. Fais-le au fond de toi et aime ton prochain comme toi-même, tu vois, non, ouais. Merci à tous ces internautes qui nous s'ouvrent. Vous êtes toujours dans Guinée Arbeuse et avec un navigateur. Alors, ici, il y a un peu de buzz, on fait des buzz avec les artistes. Alors, navigateur, est-ce que vous pouvez nous faire une acapella avec votre dernier tube qui s'intitule Nidjaman? Linma, Linma, Nana Linma, Mbara Linbo, Nadangi, Nalina, Ninja Man Metingaboke, Nima Segema, Linnega Man Metinga, Mama Bilema. Hey, Abidin Busura. Hey. Inawa, Sisi Roma, Tinga Busura. Hey. Anabusura, Ganja, Nabusura. Anabusura, Sore, Nabusura. Yeah. Commande Busura, Civile Busura. Hey. Policier Busura, Jandam Busura. Hey. Ninja Mane, Tinga Boke, Nabusa, Fala, Dume, Bembe, Tinga Boke, Gede, Maso, Semuna. Voilà. Navigateur, tout dernièrement, il y a un Colombien qui a remixé, et qui a remixé, je m'excuse, ton son. Ouais. La Gadonsen, Flo, Nene. Voilà, effectivement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la relation entre vous et le Colombien? J'ai pas de problème. Ouais. Et le fait qu'il a remixé aussi la musique, ça ne veut rien dire. C'est seulement un atout pour la Guinée, parce que moi, j'ai jamais imité. Et Dieu merci, aujourd'hui, les Blancs nous ont imités. Si nous, on n'imite pas les Blancs, eux, ils nous ont imités. Donc, ça, c'est une grande fierté pour la Guinée. Tu vois, non. Et en ce qui concerne la relation toujours avec ces Colombiens, est-ce qu'il y a de ces artistes colombiens aujourd'hui qui s'engagent, qui sont prêts à faire une collaboration musicale avec vous? Déjà, ben, moi avec les Colombiens, on ne se voit pas, mais parce que je ne suis pas chargé pour gérer ma propre page. Déjà, j'ai une page officielle à moi. Ça, je ne le gère pas et j'ai ma propre page, tu vois. Donc, je ne peux pas suivre deux liens à la fois. Ouais. Donc, l'autre page, c'est la structure qui gère ça. Ça, c'est partout, tu vois, non. Ouais. Donc, il y a cette question, je ne suis pas habilité à le répondre. Mon manager, il est mieux placé pour moi parce que, tu sais, je ne réponds que seulement à ceux qui me le donnent le droit. Ouais. Toujours dans Guinée Arbeuse. Voilà, place à vous les France de Navigator. Maintenant, il va vous faire plaisir avec ces différents sons. Beaucoup de surprises tout à l'heure. C'est pour vous les France. Allez, Navigator, à vous l'antenne. Les élèves répondent ma musique, une copie collée. Les élèves répondent ma musique, une copie collée. Ne joue pas avec ma taxe, sinon je vais me venger. Et quand je le suis, mon addict de te blesser. Aïe. Bonjour, le grand PDG de Genèse, monsieur Souma, vous allez bien? Ouais, ça va. Ouais, Dieu merci. Tout va bien. Ouais. Je profite aussi de saluer tous les téléspectateurs. Ouais. Donc, je vous remercie également pour ces grands déplacements. Ouais. D'accord, c'est un plaisir vraiment d'être à vos côtés ce matin. Alors, on va continuer tout à l'heure. Il y avait une petite précision que l'artiste ne pouvait pas préciser tout à l'heure parce que là, il travaille dans une structure actuellement et voilà, tout ce qu'il a dit, c'est limité. Voilà, vous pouvez nous expliciter ces différents projets qui sont en marche. Ok, effectivement, oui. Jeunesse Prod veut dire la source, ouais. Le début, le commencement. On travaille à l'équipe, donc moi personnellement je suis le PDG de la maison. En ce qui concerne la structure, je voulais pas seul, je voulais avec des personnes dynamiques aussi, qui s'élèvent tous les jours très tôt pour Navigator. C'est pourquoi dans un laps de temps nous avons pu réaliser beaucoup de choses. Donc le projet d'abord avant l'album parce que nous avons déjà notre album qui est déjà posé. Ouais. Nous avons essayé de mettre 10 singles, ça c'est l'avant-goût d'abord. Donc les 10 singles là, on a donné ça gratuitement aux fans. Et dans ces 10 singles, nous avons accepté de faire 7 clips d'abord. Là aussi c'est l'avant-goût de l'album. Parmi les 10 singles, nous avons commencé par encadrer.
encadré, ça c'est le premier son qui veut dire effectivement que l'artiste est encadré maintenant. Ouais. Donc nous avons même clippé. Ouais. Le deuxième son aussi, Nidjaman. Mm-hmm. Là, il faut faire un rappel au youth. Ouais. Dire que Navi, bon, il vient du ghetto. Ouais. Il va nous parler un peu de et pas de la réalité même, ouais, du qu'il est tout voilà, en prison pour ses youth. Même, voilà, même quand actuellement il est, voilà, stipulé. Donc nous avons accepté de clipper aussi Nidjaman. Ouais. Après Nidjaman, il a fait un titre qu'on appelle Maman. Maman, ça c'est demander une façon de demander pardon à la famille. Ouais. En plus de ça, il a essayé de faire un titre Moi je vis bien. Pour faire savoir aux gens maintenant que Navigator vit très bien maintenant. Ouais. Avant il était bien losé aussi parce que Navi vient d'une bonne famille. Ouais. Mais dire que artistiquement maintenant il est dans une structure, il vit bien encore de plus. Ouais. Donc il a fait ce titre encore qu'on appelle Moi je vis bien. Et qu'il a changé de level. Voilà, qu'il a changé, ouais, maintenant de level. Donc ouais, tous ces 10 singles là part. Ouais. Et après ça, il a fait un single sur Semblant. Oui. Mm-hmm. En plus de ça, ouais, il y a 3 singles. Mm-hmm. Bon, Illettré par exemple, qui était sorti le même 022, ouais, j'ai Illettré, Rabadosta et qui est le leader. Ouais. Qui est le leader aussi a été clippé déjà. Mm-hmm. En plus de ça, il a fait son dernier single qui est Bandinana, ouais, dont nous avons fait le clip. Et selon moi, ça sera le meilleur clip de ces 7 clips que nous avons réalisés. Ouais. Parce que c'est un clip de fou que peut-être dans les jours à venir que vous allez découvrir. Donc on s'attend du lourd, quoi. Du lourd, c'est plus que Nidjaman. À part de ces 7 singles, nous voulons faire un album et qui doit sortir sur l'esplanade du Palais du Peuple. D'accord. Donc ça, ce sera au mois de janvier. Et pour ça, nous avons déjà préparé 12 titres. Avant, c'était 14. Mais nous avons essayé de faire une réduction parce que nous voulons faire du lourd. Ouais. Donc dans ces 12 titres, nous avons jugé nécessaire de mettre des fuites dedans. Et ces fuites, nous sommes presque à un projet, peut-être qui peut marcher avec Ariel Chenet, mmh, et voir même que avec les Colombiens tout va bien. Ouais. Dans les jours à venir même, il s'attend à être de l'autre côté de la Colombie, mmh, si ce n'était pas cette pandémie. Donc il a essayé de poser, de remixer d'abord Ragatonse avec 7 Colombiens, 6 garçons et une femme, donc qui ont sur le projet là. Mmh. Et voir même qu'il est en train de remixer et de faire un autre son avec une Colombienne. Cela veut dire que Navigator, c'est-à-dire et cette découverte même pour moi, je pense, parce que sa musique a été remixée 25 fois en Colombie et il était cherché par ses Colombiens. Wow. Pendant 2 ans comme ça. Wow. Wow. Et imaginez que la musique vienne au-delà du frontière. Ouais. Le jour que on a contacté Sammy Guerrero, ça a été un truc de folie pour lui parce, ouais, que d'abord il pensait même qu'on allait réclamer notre droit d'auteur sur la musique, mais finalement, comme nous sommes dans une phase de changement, on a accepté de collaborer avec eux, ouais, jusqu'à ce qu'ils soient même en train de réaliser le clip en Colombie. Navigator, au préabord, ce n'est pas un but lucratif. Mais Navigator, toute la Guinée doit l'aider. Ouais. Doit l'aider afin qu'il puisse représenter la Guinée au-delà de nos frontières. Parce que malgré un laps de temps, Navigator est réclamé en Allemagne, oui, il est réclamé en France, il est réclamé au Maroc, il est réclamé en Angola. On ira jusqu'au bout. Et chapeau pour l'équipe. Chapeau pour Managadou, ouais, chapeau pour Mangana Yano, ouais, qui est aussi qui font partie de l'équipe. Ouais. Nous avons aussi un autre fondateur, j'ai un ami aussi qui est fondateur, ouais, qui a le nom de Maju Traoré, ouais, qui est là aussi. D'accord. Donc ça veut dire que donc on lance un grand big up à toute l'équipe. Bon, voilà, toute l'équipe, quoi. Ouais, donc je suis pas seul. Ouais, et je remercie beaucoup, ouais, Navigator qui est compréhensif. Ouais. Ouais. Qui est très très compréhensif, ouais, qui n'est pas orgueilleux, qui se prend pas comme les autres artistes. Ouais. Il est, c'est-à-dire, il se met à la place. Il est naturel en fait. Il est naturel, ouais, il est naturel, franchement. Ouais. C'est un gars très bien comme lui. D'accord. Inch'Allah, merci beaucoup. Et nous aussi, nous sommes à l'attente de cette grande surprise. Même l'équipe GKMS, Guinée Orbeuse et les autres France aussi. Avant de clôturer cette émission, Navigator, quel est votre message à lancer envers vos youth, envers le pays, envers tout ce qu'ils aimeraient faire comme toi un jour? Bon, il faut bosser. Ouais. Il faut beaucoup bosser, il faut beaucoup étudier. Et la youth, nous sommes youth, c'est juste un certain temps. Et le moment venu, tu vas changer.
en ce qui concerne la culture guinéenne aujourd'hui et tout ce qui s'ensuit, quel est le message que vous avez à lancer, qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Moi c'est le travail, tu vois, non? J'ai rien à dire à la culture guinéenne, ils sont conscients, tout le monde sait ce qui est bon pour lui. Et merci beaucoup à l'équipe technique Chuck et Mr. Negui, Mr. Negui Kondé. Voilà, si c'est la première fois de suivre cette émission, c'est Mohamed Bagosma à la présentation. Et merci à vous. Sans vous, l'émission n'aurait pas lieu. La naga d'or, je ne donne pas de ma valeur, mais quand il a l'or, mon esprit va pas être ailleurs. D'ailleurs, sans moi, une couture qui vient de nulle part ailleurs. Ils ont envie de porter mon don dans ces voleurs. Ils ont envie de me tromper, c'est qu'à ces tricheurs. Ils ne sont pas dignes d'être appelés les travailleurs. Mamaya, toaster, chanteur, rappeur, faites pas la cible, maintenant mon leader. Ils vont me signer tout en mauvais canteur. Mon travail, c'est la vérité avec sueur. Ils vont donner la vie de nous.